Et alors aujourd'hui une nouvelle vidéo sur le serveur sur la snapshot maintenant qui n'est plus une snapshot mais sur la 1.16 donc on m'avait demandé sur mon serveur Discord de refaire des vidéos. Bah donc voilà, donc là c'est ce que j'ai refait. Donc je propose qu'on repart directement pour la petite. Oui, alors il y a aussi beaucoup de gens qui m'ont demandé de retirer la banderole Filmora. Oh, il y a un truc dinosaure là. Qui m'ont demandé de retirer la banderole Filmora 9 sous mes vidéos. Ben en fait, je sais pas comment on fait. Donc je suis désolée, mais je crois que ça va encore rester un peu de temps. Puisque ben, je sais pas comment on fait, donc dès que j'ai un peu de temps, je me renseigne, promis. Donc j'espère que ça vous dérangera pas trop. Et je vous laisse tout de suite avec la petite vidéo. Donc nous revoilà dans le monde 1.16. Alors je sais que vous allez me dire, mais oui, mais pourquoi Black Slide, tu as un arc enchanté, une épée enchantée et une pioche enchantée? Ben moi je vais vous dire en fait juste que j'ai comme un petit boulet, j'ai oublié de record le moment où j'avais enchanté tout ça. Donc je crois que vous l'avez déjà vu dans l'épisode hein, dernier, mais donc là j'avais plein de ressources et là j'avais aussi capturé un petit villageois. Mais donc voilà, donc je vais vous tout de suite hein, vous montrer donc mon armure. J'ai pas touché encore, pardon. Ça j'ai juste aura de feu 2 pour une épée en diamant, c'est déjà pas mal. Donc ma hache j'ai rien, ma pioche j'avais efficacité 4, solidité 3 et j'avais un arc flamme puissance 3, pardon, et solidité 3. Donc, pour l'épisode d'aujourd'hui, j'avais prévu qu'on construise la réception du village, puisque j'aimerais faire en fait un village un peu comme le youtubeur Asphax. D'ailleurs, c'est de là d'où vient l'idée du village. Donc, enfin, en fait, j'aimerais bien faire un peu un truc comme lui, sauf que il faut aussi que je pense à pas trop le copier. Parce que sinon ça s'appelle du plagiat et c'est pas très chouette à faire. Voilà, donc je voulais juste vous dire que c'est pas trop facile de trouver des idées pour faire de mes vidéos. Donc maintenant je propose que j'arrête de parler et qu'on construit directement la petite réception. Donc j'ai été parmi les petites ressources et j'ai été aussi aplanir le terrain là-bas au fond. Donc j'ai pris j'ai été farmé aussi hein, ce que j'avais un peu dans mes coffres hein, donc des planches, des briques, du béton, du cadre et des bûches de chêne noir. Juste avant qu'on aille se fight, je voulais vous proposer qu'on aille un petit peu tuer des monstres puisque on a notre aura de feu, donc ça peut être cool. Donc je propose je fais un peu de route et puis après on se retrouve directement pour tuer des monstres. Voilà pour ah, ça me perturbait. Donc je disais j'avais trouvé des monstres, mais par contre si il veut bien me rendre les planches, merci. Donc on va commencer directement par buter des zombies. Oh, deux secondes, merci. Donc voilà, on va buter des zombies. Mais c'est vrai que j'avais pas mon bouclier. Oula, j'ai plus l'habitude, puisque je joue beaucoup à Epixel, donc j'ai plus l'habitude de tuer des monstres. Du calme, je vais me faire tuer. Il y a lui là. Wow, je vais me faire tuer là. Oh là là. Je ne savais pas que. Toi là, t'es mort. Merci.
Au fond là-bas, t'es mort aussi. Ah ok, c'est bon. En fait, tu mets un coup d'art et après t'enchaînes en fait. Toi, voilà. On esquive les balles. Hop. C'est bon, là je commence à me remettre en bonne posture. Juste les creepers. J'ai un peu peur des creepers là. On va voir. Oh, ben voilà. Quand je parle du loup, hein, il y a toujours un petit creeper qui est là. Pour bien être en avant. Voilà, tac. Je vais voir un truc si il y a les golems genre qui agissent ou pas. Par exemple lui là, si j'essaie de lui ramener un squelette, il fait quoi? Attends juste, on va prendre un peu de viande. Viens le squelette, viens. Ils sont deux, c'est cool. Non mais là il y a un creeper, attends, parce que lui j'ai pas un peu peur de lui là. Oh le méchant. Viens, ramène-toi là, le squelette. Allez viens. Bon bah le golem, je crois qu'il s'en fout hein. Bon, oh, ok, c'est pas du tout intéressant. Bon allez, je mets en pause et puis on se retrouve après. Hein. Regardez-moi, on dirait un hérisson. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire dans cette séquence. Non, sérieusement, on va aller à l'endroit où j'avais cassé la maison, mais je sais plus c'est où. Il faut s'avouer que je me repère pas, hein, moi, dans ce village. Je suis complètement perdue. C'était où que j'avais cassé sa maison, au petit villageois, là? Ah, ok, ouais, non, c'était par là, je crois. Ouais, c'est bon, c'était là, je crois. Ah non, c'était pas là. Bon, je galère beaucoup, donc on se retrouve dès que j'ai trouvé. Hein. Ok, alors, pour la construction de cette petite réception. Alors, je sais que normalement, une réception, c'est au milieu du village. Mais j'avais envie de la mettre ici. Donc je l'ai mis ici. Bon, je remettrai du vrai bois après. Hein. Mais de la vraie herbe, pardon. Après, juste que là, j'aimerais faire un peu ça. Donc hop, on casse. 4. Hop. 1, 2, 3, 4. Hop. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Ok. Je fais donc tout ce qui est plafond, tout toiture et tout. Et on se retrouve après. Hein. Alors là, je suis en train de mettre de la pierre taillée au sol. Comme ça fera un peu de pierre au-dessus et en dessous, pardon, et au-dessus ce sera du chêne noir. Enfin, vous connaissez à connaître hein, au fur et à mesure de mes vidéos. Parce que le chêne noir, j'en utilise quasi dans chaque construction. Donc vous connaissez bien. Je crois que vous commencez bien à connaître. Bah, ça tombe bien là. Tant que j'ai de la terre, je vais. En mettre en dessous là, comme ça, ça me gêne pas. Donc hop, on a un peu de terre ici, on a un peu de terre là. Comme ça, c'est un peu plus joli. On met de la terre ici. Voilà. Bon alors déjà, ça donne ça de loin. C'est pas très joli, j'avoue, de loin, mais vous verrez quand ce sera terminé, ce sera trop beau. Ça, je vous le garantis. Donc on fait un petit établi qu'on va mettre ici en plein milieu. On fait des petits escaliers. Hop, on fait des petites dalles.
Ok. Je continue la construction et puis on se retrouve dès que ça avance ou alors dès que j'ai terminé le toit. Alors pour l'instant, la construction se passe à merveille. J'arrive à placer des dalles partout. Bon, évidemment, dès que je dis ça, hein, je me foire. Mais donc oui, j'arrive à bien mettre les dalles, j'arrive à bien faire tout ce que je veux. Donc, ça, c'est chouette. Hop, il n'y a plus qu'à... Voilà, parfait. À mettre la petite dalle ici. On la retire et on la remet. Parfait, donc voilà. Voilà pour le début du toit. Enfin, plutôt pour la fin du toit, pardon. Maintenant, je propose qu'on se retrouve directement pour les vitres et la décoration de la petite réception du village. Donc voilà pour la petite réception. Donc alors, donc là c'est une réception qui est ouverte de 11h30 à 14h. 14h, ils font une pause et donc c'est après c'est ouvert de la fin de la pause jusqu'à 18h. Ensuite on rentre là. Un petit pissenlit allez pour symboliser la nature. On peut mettre une petite graine, deux petites graines, comme ça symbolise bien la nature. Donc voilà, donc on peut mettre un bloc de dirt aussi. Pas dessus, mais sur. Voilà, c'est bien. Parfait. Donc voilà, c'était une petite réception super, super bien représentante de la représentative de la nature. Donc je vais me mettre en hauteur un peu. Tac. Voilà. Bien, merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, en tout cas, ça m'a fait très plaisir de revenir sur cette série 1.16. Je trouve que la 1.16, ça a l'air d'être une série très cool. Même si je m'y connais pas trop en tout ce qui est actualité de Minecraft. Donc ça, c'était pour la petite réception. Donc voilà, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez ce que vous devez faire, un pouce bleu, abonnement et partager la vidéo, ça me fera super plaisir. Merci beaucoup, salut, c'était Black Slide, à la prochaine, au revoir.